voir, c'est un vieux moteur. C'est un moteur chaise, modèle Vega. Donc, de ce que j'en ai lu, ce que j'ai trouvé, ça ne dure pas trop grand-chose. Ça doit faire 3-4 chevaux. Ça doit être les années 30. Donc, ça fait un moment que je cherchais un vieux moteur. À défaut de vapeur, je me suis rabattu sur ce genre de choses. c'est un moteur fixe, comme ça, un vieux moteur fixe. J'adore ces trucs-là. J'aimerais bien avoir un truc encore plus vieux qui tombe doucement et qui font pchout, 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 là, comme on en voit sur les manifestations de trucs anciens. Donc, j'y connais rien. C'était une première pour moi, ce genre de moteur. Je pense que c'est simple. Bon, il y a une dynamo, ça j'aime pas, parce que si elle est foirée, faut que je la donne à un spécialiste, parce que moi je sais pas faire. Il y a de grandes chances qu'elle y aille quand même, de toute façon. Il y a 2-3 trucs à faire, faut checker un peu tout ça, donc on va commencer par faire le tour. Faire l'état des lieux, démonter, puis voir ce qu'il y a à faire. Donc c'est un moteur de chez Omnion Métallurgie et Industrie, donc un moteur chaise. Donc 34 rue Auguste Lançon, Paris 13e, donc c'est un modèle Vega. Voilà, un moteur français. Normalement. Au moins fabriqué en France. Donc déjà, première chose à faire, bon je vous rassure, hein, je l'ai déjà fait tourner. C'est comme il y a une manivelle, on fait tourner. Et on s'aperçoit qu'il tourne. Il tourne dans le vide. Donc, soit c'est complètement pourri, soit déjà il n'est pas collé. C'est pas mal, soit il n'y a pas de piston, c'est déjà arrivé, soit il y a un autre problème. Donc, l'autre problème, hop, voilà, c'est là. Donc l'autre problème viendrait de là. J'ai une soupape qui manifestement ne ferme pas. Elle est censée être fermée et elle n'est pas fermée. Donc elle est grande ouverte. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à démonter. Enfin, on va checker l'allumage aussi avant quand même. Voir si j'ai quelque chose ou pas. Et puis on va voir ce qui se passe. Bon, il y a de l'allumage des fois. J'ai mis un gant caoutchouc parce que je prenais des coups de bourre. Mais là, ça ne doit plus. J'ai eu 3-4 étincelles. Bon, là, ça va un peu mieux. J'ai changé un réglage de je sais pas quoi d'avance. Belle étincelle bleue. Belle étincelle bleue. Youhou! Donc ça, c'est la dynamo. Alors, il y a ce petit truc-là qui s'est cassé tout à l'heure. C'est une espèce de truc pour faire contact, ça va là. Et je pense que c'est pour mettre à la masse et pour arrêter le moteur. En fait, si j'avais pas d'étincelle tout à l'heure, c'est que ça touchait là. Et j'ai titillé et ça s'est cassé. Bon, faut que je sorte la vis, c'est que... Je refasse un support. Donc après un petit coup de soufflette, on y voit plus clair. On voit plus clair que c'est marqué Lavalette Bosch. Donc, c'est une grande marque quand même. Au moins Bosch, Lavalette, je sais pas. Certainement à l'époque, donc je pense qu'il y a moyen de trouver ce qu'il faut pour le refaire, ou des gens qui savent le faire. Il faut que je me rapproche de ceux qui savent. Pas faire de conneries. Bon, je vais m'apercevoir d'une chose en démontant ça. Le carter est cassé. Ça, c'est pas bon. On a dû se prendre un choc. Et c'est pas jeune parce que c'est complètement crade dans la cassure. On va y mettre un coup de... petit coup de soudure. Et ce sera propre. Derrière, il y a quoi? Je ne sais pas.
l'avance peut-être. Donc en fait ça c'est la commande, on voit bien l'intérieur, ça fait bouger. Alors ça aura une petite biellette là, et en fait ça fait tourner le papillon du carburateur. Donc là ça va être le ralenti, et puis plus on monte plus ça accélère. Enfin, il y a un maxi, mais c'est pas mal. Ça sont des tranches de pneus de je sais pas quoi. Et puis comme ça, c'est peut-être de la moto avec des petites sculptures, c'est marrant. Mais c'est pas jeune. Et un beau petit réservoir en acier en tôle zinguée et étamé. Ça se trouve, elle est complètement étamée, ça se trouve, putain. En fer blanc. Oh, bah le morceau est cassé. J'ai bien vu tomber un truc, je me demandais ce que c'était. Ça devait être collé à la vis et c'est cassé. C'est pas très grave. Et je ne sais combien de joints d'empiler là-dessus. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est un moteur refroidissement par air. On est d'accord. En fait, ça, c'est une turbine qui, quand elle tourne, aspire l'air qui passe à travers le corps que je viens de démonter et qui refroidit les ailettes, le moteur via les ailettes. Donc là, on voit bien que celle-là, elle est grippée. C'est, je dirais, bon signe. Ou presque. Et là, on voit bien le renvoi d'angle du carburateur. Commande de carburateur. Donc ça y est, j'ai réussi à débloquer... dégripper la soupape. Et bien, elle monte, elle descend. Donc ces moteurs là, c'est ce qu'on appelle des moteurs culbutés. Ils sont à soupape en tête et pas à soupape latérale comme beaucoup de tondeuses ou moteurs à l'époque, c'est à dire les soupapes commandées par le bas, là, latérale ou justement au piston. Là on est à soupape en tête. C'est un cylindre borgne, c'est-à-dire que la culasse ne se démonte pas du cylindre. En fait, si je veux accéder aux soupapes, il faut que je démonte complètement le cylindre et puis que je sorte tout. Voilà, c'est ce que je vais peut-être être obligé de faire. Donc le moteur culbuté est à ces soupapes commandées par des culbuteurs, ces choses-là, qui basculent. Et ces choses-là sont commandées par des tiges derrière de culbuteurs. Hop, on va faire le tour. Donc commandées par les tiges de culbuteurs qui sont ici, qui sont elles commandées par l'arbre à cam. Arbre à cam qui tourne à la moitié de vitesse du vilebrequin. Parce qu'il faut deux tours de vilebrequin pour faire un tour d'arbre à cam. Voilà, donc on voit bien les tiges qui montent et qui descendent. Et je me prends un coup de bourre à chaque fois, c'est que la magnéto elle marche bien. Et sérieux, ça claquait. D'ailleurs je me plaignais que ça ne marchait pas, maintenant j'en prends tout le temps. Donc c'est une vieille technologie parce qu'il n'y a pas de graissage par pompe. C'est, on met de l'huile là-dedans et puis ça distribue en goutte à goutte. Donc je pense que ça c'est mal mis parce que ça doit goûter, je pense, pour que ça allait lubrifier le bas des tiges ou le haut des tiges, je sais pas, faut que je me renseigne. Parce que j'en ai mis tout à l'heure, c'est parti dans les axes, ça c'est sûr, mais ça goûtait là, dans le vide. Donc bon. Je me rends compte de comment ça peut être foutu. Bon là ce qui ne me plaît pas c'est que au niveau de l'échappement ça souffle, on entend bien, mais dès que ça en fait la compression part dans le, normalement je suis en échappement donc je sens de l'air, et là c'est la compression normalement et puis tout est parti là, et après quand ça redescend ça respire, donc c'est que la soupape ferme pas, donc tu
vu qu'elle ne ferme pas, il va falloir que je démonte le cylindre et que je regarde pourquoi elle ferme pas, si elle est tordue, si j'aimerais pas, si les calaminées, si elle est crade, si ça se trouve un simple rodage suffira. Donc on va démonter le cylindre. J'ai aucune idée de la cylindrée, donc on va comme ça on saura. Et puis on verra si je continue ou pas. Je pense que oui. J'ai de l'étincelle qui va bien. Il faut qu'il y ait de la compression, mais de l'essence, ça démarre ça. Donc les deux racleurs sont à peu près à leur place. J'ai le deuxième segment de feu qui est un petit peu collé dans sa gorge. J'ai le premier segment de feu qui est complètement collé dans sa gorge. Donc l'étanchéité déjà. Donc il va falloir rendre un petit peu de liberté à ces segments quand même. Donc sur un moteur pour avoir la cylindrée. C'est la surface du piston fois la hauteur, fois la course, déplacement. Donc pour avoir la cylindrée, je vais mesurer le diamètre. Soixante-quatorze virgule six. 75 arrivé là. Zéro. Et 4/10 de jeu. Alors là, on est à 88. Là, on est à 172. Ah non, je suis pas sur le bon truc là. 174. 15. Donc pour avoir la surface, pi des 2 sur 4 ou pi r carré, c'est pareil. Donc on est à 44,178, donc on va dire 18 cm carré. Et ça fois la course qui est de 175 moins 88 égale 87. Oh, c'est un moteur carré, tiens. Non, même pour lui, pas carré, non, il y a une course longue. Donc 87 mm, 108,7 cm. Donc si je fais 44,18 fois 8,7 parce qu'on est en centimètres, on va avoir des centimètres cubes égale 300, ouais vache, 384,336 centimètres cubes. Ouais, super, hein. Je pensais que c'était un 125, hein. C'est un 400 presque. Culbuteur. Alors, en temps normal, pour sortir les soupapes, on a un appareil qui appuie d'un côté sur la soupape et de l'autre côté qui écrase le ressort. Voilà, je peux pas aller dans le fond, donc je vais appuyer dessus comme ça. En même temps, les ressorts de soupape sont tellement solides sur ce truc là, tellement dur. Donc j'ai sorti la soupape d'admission. Il y a marqué chaise. Et la soupape d'échappement. Qui est beaucoup plus moche. Je comprends mieux qu'elle ne ferme pas. Elle est rouillée. Il y a des pètes. Je ne sais pas comment faire. Enfin si j'ai une idée. Faut que je la mette dans le tour. Quoi. Une rééquip de soupape et puis... Faut que je regarde la gueule du siège.
Donc, bon, on voit bien que c'est moche, hein. Donc, celle de droite, c'est l'échappement, et celle de gauche, c'est l'admission. Je dis pas de conneries. Non, c'est l'inverse. Admission, la bougie, elle est où? Elle est là. Donc, l'admission, c'est celle de droite, et l'échappement, c'est celle de gauche. Quand on voit la gueule des portées de soupape, on se dit que c'est normal que ce soit pas étanche. Un bon roudage, ça ira bien. Bon, j'ai démonté le piston. C'est du vinaigre. Alors super gaffe avec le vinaigre et l'aluminium. C'est pas terrible. Donc là c'est. Il faut que je regarde, je le laisse pas jusqu'à demain matin, sinon je ne retrouve pas mon piston. C'est 2 heures, 3 heures maximum. Et encore. À surveiller régulièrement. J'en ai chié pour le sortir. C'est pour ça. Je vais te faire un arrache. C'est conique, mais c'est conique depuis longtemps à coller. Donc on va passer au rodage. C'est pour super super, ça c'est l'admission, on va passer au rodage. Le gros souci ça va être derrière lui, à foutre la soupape là-bas dans le fond. J'ai peut-être une idée. Après ils ont une fonte, donc pour les roder c'est pas dur, on prend un tournevis. Donc un espèce de d'aimant avec un truc souple. Et ainsi de suite. Voilà, ça c'est la soupape d'admission après rodage. Donc là on a une super portée et là, dans la culasse c'est la même. Par contre la soupape d'échappement, j'ai l'impression qu'elle est même pas lisse. Je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai récupéré. Donc ce côté-là, c'est l'admission. Ce côté-là, c'est l'échappement. Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai dit l'inverse. Enfin bon, bref. Et la soupape d'échappement, elle est bien revenue. Donc j'ai fait le test avec l'alcool à brûler. Mais l'alcool à brûler avec une seringue. Dans, par les chambres de roue. On remet la soupape, on la tient avec les doigts et on met de l'alcool à brûler par le côté de l'entrée de la. Par l'entrée, puis on voit si ça coule. Et en fait, ça coule pas ni d'un côté ni de l'autre, donc c'est bien. On peut faire ça avec de l'eau, il faut des trucs là où les molécules sont assez fines. L'alcool à brûler, c'est bien. L'essence ou les. Enfin bref. Donc j'ai mis mon cylindre posé sur un manche de maillet pris dans l'étau pour appuyer sur la soupape. Comme ça la soupape ne bouge plus. Chez Panhard, qui ont aussi qui avaient des cylindres Born aussi sur leur moteur boxer, là, ils avaient carrément des blocs en bois. Enfin les mécaniciens se faisaient des blocs en bois. Donc on va remettre comme ça gentiment la soupape. Allez, hop. Je fais gentiment levier. Ça, si ça tient, c'est bon. Et hop.
et la deuxième. Voilà. Bon, j'étais pas en train de filmer, mais j'ai hurlé. J'ai hurlé parce que j'étais en train d'essayer désespérément de dégripper le premier segment, le segment de feu là. Et il veut pas. Il y a un coin qui ce côté-là, il est vraiment collé. Et je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'étais en train d'appuyer d'un côté et en fait, je le retenais avec ce petit pointeau là pour essayer de le faire bouger. Puis d'un seul coup, plic, il a pété. Alors j'ai hurlé. Et elle me tapait la tête par terre en me disant qu'est-ce que je vais faire. Et là, je cherche dans tout mon bazar de pièces qui me restent. Et j'ai repensé à ça. Ceci est un piston de Visa. Oui, Visa. Donc 632 cm3. Piston diamètre 76. Piston diamètre 75. Donc, j'ai un segment qui est un peu plus grand. Enfin, 76,5, 74,5. Donc 2 mm de plus en diamètre. Mais 75 d'alésage là-bas. Je vais refaire une coupe de segment propre. Et je l'ai déjà positionné dans le cylindre. Et en fait, il chevauche de 4 mm. Donc il faut que j'en enlève un petit peu. Il faut que je regarde exactement. Et surtout l'endroit où ça fonctionne, et puis j'aurai un segment. Bon, c'est pas. Je pense que c'est temporaire. On verra si ça fonctionne. C'est la même largeur. Il rentre dans la gorge nickel. C'est du 1,9. Donc bon. Ça va me dépanner. En attendant que j'en fasse faire un sur mesure ou que j'en trouve un. Donc j'ai refait un joint. En papier, j'ai refait mon segment qui va bien. Donc les segments, j'en mets un avec la coupe ici, l'autre avec la coupe là, opposé. Et les racleurs, j'en mets un là à 90 et l'autre opposé. Normalement, on est bon avec ça. Donc mon cylindre, je l'ai bien beurré d'huile. Et maintenant, on rentre tout ça là-dedans, si c'est pas trop compliqué. Donc, normalement, à part le premier qui est plus grand, j'ai un commis des coniques. L'entrée du cylindre est conique, donc c'est vachement bien. Ça permet de rentrer les segments plus facilement. Hop là. Si tout se faisait aussi bien, ça serait bien. Et maintenant, compression. Hop là. Ouah, bah ça popote. C'est autre chose qu'avant. Ça vaut un petit test de compression quand même. Ouah, si j'y arrive. Bon. Il monte à 4,5. Mais bon, vu. Ça ne m'étonne absolument pas vu la taille de la chambre. On a 87 mm de course, on a une chambre qui fait au moins. Qui fait ça de. Qui fait ça, c'est-à-dire elle fait 18. Donc, le rapport, c'est presque un quart. Donc 4 barres, ouais. 1 pour 4, ouais, c'est pareil, pas mal.
Alors les carburateurs, un vrai carburateur, hein. C'est pas un mélangeur, enfin c'est un mélangeur, mais pur effet Venturi. Donc on a la cuve séparée du corps. En fait, hop. L'air en passant là, l'air elle est là, là, elle passe dans le corps ici là. Donc en passant là, bah, c'est un pur effet Venturi avec le niveau de cuve qui met l'essence pile poil au niveau de ça là, et ça fait suf, ça aspire à des gouttelettes. Tout simple. Bon, bah, le carburateur est remonté, nettoyé. Intérieur, j'ai soufflé, il y avait des gicleurs étaient un peu bouchés, j'ai passé des petits écouvillons dedans. On va le remonter, hein. Il y avait de l'eau dans la cuve, mais il y avait de l'eau dans le réservoir d'essence aussi, donc tout s'explique. Donc voilà, tout est soufflé, tout est séché, tout est propre, et tous les gicleurs sont nettoyés, donc il y a pour de raison que ça marche pas. Il est bien évident que je remonte ça avec des joints neufs. Le réservoir trempe avec une mixture de vinaigre depuis hier. Un peu dans tous les sens, j'ai mis des vis, j'ai secoué, ça a enlevé l'oxydation. Bon, maintenant, ça fait une espèce de mousse avec ce qu'il y avait dedans, je sais pas ce que c'était. Il va falloir nettoyer, hein, c'est tout ça. Donc, moi, je vais pas remettre de bout de pneus de moto ancienne, je vais remettre du caoutchouc simplement. J'en ai. On n'oublie pas de mettre de l'huile. J'en ai sorti environ 2 litres, donc je vais remettre 2 litres. Bon, c'est de l'huile pour motoculteur. 10,40. Acheté au supermarché. Huile minérale. Je vais même en remettre parce que je suis pas au mini. 2,5 litres d'huile il faut en fait. Hop. Et on remet le dernier carter. Qu'il faudra peut-être enlever dans 5 minutes parce que ça va pas démarrer. Et un peu d'essence. Je ne vais pas mettre d'eau trop parce que s'il faut que je l'enlève. Voilà, j'ai moins de quoi tourner. Quelques minutes. On ouvre l'essence. Oula, une fuite. Voilà, ça fuit plus. Donc on titille le carbuc, le truc, le titilleur, on s'appelle ça là. Ça c'est un truc qui fait descendre la cuve. Donc voilà, là que l'on est chargé en truc. Donc on va mettre un petit peu de gaz. Pas trop peut-être. Allez, j'espère que ça va démarrer. Ah, ça sent bon ça.
Il va y aller. Sauf que c'est pas moi qui l'ai arrêté. Bon, il tourne, mais j'ai un problème avec le fil de bougie. J'ai fait 3 fois que je déboîte la dynamo pour... En fait, c'est le charbon qui vient toucher le collecteur. Il a l'air usé. En fait, je tire dessus avec le ressort, mais il a un mauvais contact. Donc, il faut que je revoie ça. Mais il tourne. La preuve, il redémarre. Mais là, j'ai plus d'allumage, encore. Bon, voilà. On va arrêter là hein, parce que je vais pas réparer la dynamo là, enfin le fil, je sais pas comment je vais faire, faut que je trouve des pièces. Je sais pas comment je vais trouver des pièces. Bon, je vais les chercher. Avec le nom de la dynamo, il y a moins de moyens de trouver des trucs. Je suis là bah, super content et super déçu. Super content parce que bah, il a démarré. Super déçu parce que bah, le problème d'allumage. Je sais pas trop comment. Bon, ça va se faire, hein. Sauf que là, je ne vais plus trop avoir le temps là tout de suite, mais ça va se faire, hein. Donc voilà. Donc, bah, un moteur, un gros moteur. Une fois qu'il sera... Pour l'instant, j'ai fait, un redémarrage. J'ai fait du nettoyage, j'ai fait de la réparation mécanique. J'ai pas fait de cosmétique du tout, parce que j'ai envie de le faire très beau, mais là, j'avais pas le temps de le faire. Je n'ai pas envie de le bâcler. Donc là, mécaniquement, il est pas mal. La dynamo, bon, bah,
elle est ce qu'elle est, elle a le problème qu'elle a. Ça a l'air d'être très très con, hein, parce que ce petit charbon là qui vient toucher le ce qui tourne là, et apparemment j'ai tiré dessus, je tire dessus, hop, ça redémarre, et puis il doit se coincer, se mettre de biais. J'en sais rien, pas ressortir. Donc faut que, ou trop court, il est peut-être usé, il est peut-être, je sais pas. Donc faut que j'examine ça mieux. Voilà. Donc il a redémarré, c'est déjà pas mal, mais au travail quand même. René revenait de loin, hein, j'y croyais pas quand je l'ai été tout grippé. Enfin, si, j'y croyais, mais pas aussi facilement, on va dire. Le carburateur était pas trop crade, enfin bon, l'échappement est cassé, mais enfin, c'est pas très grave. Voilà. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez appris quelque chose, si j'ai bien expliqué les choses, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description. Il y a le mail, le Facebook, puis une paire d'autres trucs. Donc voilà, vous allez voir. Allez, au revoir. Bon alors, il y en a qui vont demander, c'est sûr. J'ai un scotch avec un papier en dessous, c'est pour me protéger de ce que je me suis râpé tout à l'heure. C'est rien, j'ai ripé avec la clé, et en fait, en ripant avec la clé, je me suis tapé sur mon pouce d'en face, et avec mon ongle, qui coupe pas, qui est pas énorme, hein, j'ai réussi à m'abîmer la peau, ça saigne. Pour lui de me mettre de la merde dedans, je protège. Voilà.